un jeu de 52 cartes. Pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin de mes cartes favorites, qui sont les rois. Très bien. Maintenant, nous invitons un spectateur à choisir une carte. Ici, pour l'exemple, le valet de cœur. Attention, cette carte peut être signée par le spectateur, puis cette carte est à son tour perdue dans le jeu. Voilà. Maintenant, ce qui va suivre, c'est très simple. Nous allons demander à nos rois, tout simplement, de partir à la recherche de cette carte. Pour cela, c'est rien de plus simple. Mais avant tout, je vais utiliser le paquet afin de réaliser des petits paquets. Un à gauche, un à droite, encore un autre. Voilà, ce qui forme, si vous avez bien regardé, un petit carré. Très bien. Maintenant, avec mes rois, ça va être très simple. Je vais les envoyer un par un. Eh bien, allez chercher votre carte. Alors, commençons. Le roi de carreau. Ne clignez pas des yeux. Eh bien, disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai maintenant les as. Alors là, il y a quelque chose qui m'épate, là. Tenez, si je touche ce paquet, qu'est-ce qui se passe? Un roi. Si je touche ce paquet... Un roi. Si je touche ce paquet... Un roi. Si je touche ce paquet... Un roi. Ah, les as sont magiques. Et ils sont magiques à un point que si je... Eh bien... Il n'y a plus d'as, mais qu'une seule carte. Et pas n'importe laquelle. La carte du spectateur.